Le crâne d'argile. Ici, j'ai apporté un exemple de crâne que j'ai acheté au Dollarama. Vous pouvez voir, faire le tour. J'apporte ton attention sur les petits détails qu'il y a sur le côté ici. Il y a des endroits où il y a des creux, comme dans les yeux. Ici aussi, il y a des creux. Puis ici, ben, il y a des bosses. Ici, là, la petite joue là. Autour des yeux, ça ressort un peu. Le nez ici, là, la pointe, ça ressort ici un petit peu. Ici aussi, même chose. Donc, il y a des endroits où il y a des creux et des endroits où il y a des bosses. C'est très important d'essayer de respecter ça dans la mesure du possible. Pour commencer, tu vas partir avec une motte d'argile. Tu la travailles avec tes mains, comme ça. Ensuite, tu vas pouvoir commencer à donner forme à ton morceau d'argile. Première chose que je te conseillerais de faire, c'est de faire en sorte que l'intérieur soit vide. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, simplement, tu vas pousser au centre, d'un côté, puis tout le tour, tu vas tirer comme ça. Tu vas tirer vers toi. Regarde bien. C'est un peu comme si on commençait par faire un bol, si tu veux. OK? Là, je pèse au centre, je le ramène sur les côtés, puis là, tu peux donner la forme de ton crâne. Puis là, ici, en avant, tu as juste à le ramener comme ça. Tu y donnes, vois-tu, ça commence déjà à prendre forme tranquillement. Puis après ça, tu décides si tu veux l'avancer. Tu décides, là, quelle forme ça va prendre. Bon, déjà là, je ne sais pas si tu commences à voir, là. Il commence déjà à y avoir une petite ressemblance. Ensuite, les yeux, c'est à peu près dans le milieu, on a dit. Là, pour faire les yeux, tu peux commencer par venir introduire un doigt, puis pincer ton argile. Regarde ici, là, je ne sais pas si tu vois, je me sers d'un de mes doigts. Après ça, je me sers d'un autre doigt pour faire tout le tour, pour venir mettre mon œil en valeur. Là, tu y vas, tu fais le tour de ton œil. Voilà. Là, ça commence à avoir un petit peu d'allure. Là, si tu trouves que c'est trop creusé tout le tour, tu peux venir ajouter une bosse ici, là. Tu sais, quand tu pousses en arrière, ça crée une bosse. Puis là, tu décides là, de mettre ça comme tu veux ici. Même chose de l'autre côté. Tu fais un trou avec ton doigt, puis tu pinces tout le tour pour mettre ton œil en valeur. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu peux décider de donner un air fâché à ton crâne, si tu veux. C'est toi qui décides. Tu peux lui donner une expression. Voilà. Là, je vais faire ressortir la partie du haut un peu plus. Tiens. Voilà. Là, ici, la partie d'en haut a l'air un peu plus choquée. Comme ça. Voilà. Là, après ça, ici, ouais, comme ça à peu près. Après ça, pour faire les joues qui sont à chaque côté des yeux, tu pousses en arrière, puis tu pèses tout le tour après ça de où est-ce que ton doigt se trouve en arrière. Vois-tu? Le doigt qui est ici en arrière, là, tu pousses tout le tour comme ça. Fait que là, ça te permet d'installer une joue. La taille que tu veux. Si tu manques d'argile, tu viens d'en rechercher autour. Tu es là aux endroits où est-ce que tu en as le plus. Tu pousses, puis voilà. OK. Là, pour l'instant, c'est ça que j'ai fait. Peut-être moyen de retravailler quelques détails, mais ça va venir au fur et à mesure. Ensuite, pour faire le nez maintenant, tu peux utiliser les outils qui te tombent sous la main. Ici, j'ai une mirette. Une pièce de bois avec du métal à chaque côté. Ça, si je veux, je peux enlever des couches avec ça. Je vais surtout me servir d'un ébauchoir. C'est une pièce de bois dont je peux me servir de tous les côtés. Là, j'ai besoin de faire un nez, donc je peux me servir du bout. Si jamais tu n'as pas d'ébauchoir, tu peux toujours aussi te servir d'un couteau de plastique. Ça fait quand même le travail. Là, ça, c'est juste gravé dans l'argile. Si je veux y donner un peu plus de volume, un peu plus de relief, je place mon outil. Puis avec un doigt, je viens pousser contre mon outil. Comme ça, ça va venir créer du relief. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Ici, c'est pas juste une ligne gravée, là. Ça vient mettre en valeur vraiment ce que j'ai fait. Tiens. Là, après ça, il reste à mettre ça vraiment comme tu veux. Moi, je trouve qu'il ne ressort pas assez. Ça fait que je vais aller en arrière. Là, je sens que je manque d'argile. C'est que je vais en mettre un peu plus. Puis là, après ça, ça va être plus facile de venir le travailler. Tu travailles ça pour que ce soit vraiment à ton goût. C'est beaucoup de travail de finition, je vous dirais.
OK. Quand c'est fait. Après ça, tu vas pouvoir venir travailler la bouche. Comment est-ce qu'on fait pour venir travailler la bouche? Ben, vite de même, je vous dirais, tu peux utiliser un ébauchoir. Situer la ligne qui va séparer les dents d'en haut des dents d'en bas. Tu peux tracer ta ligne. Prendre l'outil que tu veux pour faire ça. Aussi, tu peux creuser encore un peu plus. Parce que, vu que c'est la mâchoire, il y a vraiment, c'est vraiment creusé là, ici. Je ne sais pas si tu vois, là. T'es ici, c'est vraiment plus creux. Okay? Entre le bord de la mâchoire et les dents, il y a un creux ici. Un autre là, à chaque côté. Fait que pour faire ça, tu peux prendre ton argile et venir la pincer. Tu pars de ta joue ici. Puis là, ben, tu viens le pincer tout le long. Là, ça se peut que tu manques d'argile. Si jamais ça t'arrive, tu peux prendre de l'argile en arrière et venir le reporter vers en avant. Pour que ce soit vraiment à ton goût. Parce que si jamais il manque d'argile, en séchant, ça se peut que ce soit plus fragile. Ça se peut que ça casse. Et que tu essaies de faire ça quand même assez solide. Et en même temps, ben, faut que ce soit à ton goût. Là, j'ai mis de l'argile. Je l'ai mis un peu plus épais ici. Là, je devrais être pas si pire. Et que là, la ligne, je vais la faire aller jusque sur les côtés. Jusque sur le creux de ma mâchoire. À peu près jusqu'ici. Voilà. Puis là, ici, effectivement, je manque encore un petit peu d'argile. Là. Faudrait que je vienne le pincer ici un peu plus. Voilà. Et comme là, ça commence un petit peu à prendre forme. Même que si tu veux y faire une bouche ouverte, c'est quand même assez facile. Tu as juste à traverser bord en bord avec ton outil, puis tu vas y arriver quand même. T'es? Voilà. Tiens, moi j'ai décidé de faire la bouche ouverte. Ensuite, tu vas être bon pour faire les dents. Comment est-ce qu'on fait les dents? Ça va te prendre un outil peut-être un peu plus précis. Là, je prends ce qui me tombe sous la main. Si tu as un couteau, ça peut faire le travail aussi. Donc là, je fais les dents une par une. Présentement, c'est juste gravé. Mais après ça, je vais pouvoir travailler les dents pour que ce soit pour donner l'impression que chaque dent, les rebords sont arrondis. Tu peux prendre un autre outil pour ça et venir travailler les dents une par une. Tant. Comme ça. Fait qu'au lieu de donner juste l'impression que ce sont des lignes qui sont gravées, ben, tu essaies de faire les rebords de tes dents un peu plus arrondis. Regarde, comme ça. Là, c'est beaucoup de travail. Il faut prendre le temps de faire tous les détails. OK? Tu prends le temps, tu arranges ça comme tu veux. Tu peux même faire ressortir les dents un peu plus, si tu veux. Creuser un peu plus chacune des dents. Tu arranges ça vraiment pour que ce soit à ton goût. OK. Ensuite, là, les yeux ont peut-être moyen de les mettre un peu plus grands. Regarde, comme c'est de l'argile, c'est facile de les agrandir. Tu mets ça vraiment à ton goût. Et que rapidement, c'est pas mal ça. Je vous dirais là, que j'ai fait ça en quelques minutes, mais tu es capable de le faire. Il faut juste prendre le temps. Pour les joues sur le côté, tu vois-tu, la joue ici, elle se rend jusque dans le crâne ici, là, jusque à l'intérieur. Fait que là, ta joue qui ressort ici, c'est pas tout de la faire ressortir là. Faut le travailler aussi sur le côté. La joue, elle ressort par rapport à la mâchoire. Fait que je vais venir la mettre en valeur. Encore un petit peu plus. Tiens. Pour venir mettre la joue en valeur, j'ai juste à pincer chaque côté. À creuser ici un peu plus. Si je veux du support, j'ai juste à mettre mes doigts en arrière, puis venir pincer un peu plus là où j'en ai besoin. Là, je trouve que ma mâchoire est un petit peu fragile, donc je prends de l'argile, puis je vais en remettre sur les côtés ici pour le renforcer. Parce que faut quand même que ce soit solide. Particulièrement si la bouche est ouverte. Il faut que ce soit très solide. Voilà. Et que tu peux faire la même chose de l'autre côté. La joue est ici. Donc, tu peux venir pincer, mettre tes doigts en dessous, pincer ici au travers pour que ça prenne forme. OK? Il faut que, encore une fois, tu mets ça pour que ça te convienne, que ton crâne soit vraiment... Regarde ici. Tu peux peser vraiment un peu plus.
Vu que ton doigt est en arrière, il va être capable de supporter pour pas que ton crâne y soit trop difforme après. Ça crée un support. Voilà. Puis là, tu mets ça à ton goût, là. Ça commence à prendre forme tranquillement. Il me resterait les dents à travailler, puis peut-être d'autres détails aussi. Que pour le modelage, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. À la fin de la période, tu vas prendre ton plastique et tu vas l'envelopper. En ayant pris soin, bien sûr, au préalable d'avoir écrit son nom et son groupe, tu enveloppes ça dans le plastique. Et après ça, ça va aller dans un bac dans lequel tous les projets vont se retrouver. Fais-toi-en pas, ça se peut que ton projet soit un peu difforme quand tu vas le reprendre. Au prochain cours, tu vas finir le modelage. N'hésite pas à lever la main si tu as des questions.